Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le dernier message de cette semaine. Nous sommes le vendredi 27 octobre 2023. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Avant de commencer, nous allons dire trois fois cette phrase suivante. J'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif. Le plus fort est celui que je nourrirai le plus. J'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif. Le plus fort est celui que je nourrirai le plus. J'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif. Le plus fort est celui que je nourrirai le plus. Petite question, quel est le vôtre ? Allez-vous nourrir le positif ou le négatif? Allez, j'ai pigé aujourd'hui. Place-toi au centre de ta vie pour tout. Sixième chakra. Le sixième chakra, c'est le chakra coronal. C'est l'accomplissement de soi. C'est la couleur mauve ou violet. Ce chakra, siège votre niveau de conscience, le plus intérieur et le plus haut, source d'unité, celui de votre âme, telle une fleur de lotus, et il reçoit la lumière divine de l'inspiration pour la manifester dans la matière. Et ce chakra se situe au sommet de votre crâne, c'est-à-dire au-dessus, tout au-dessus, près de, à la frontanelle, on va le dire comme ça. Voilà, donc à la frontanelle, la couleur mauve ou violet, on le voit sur la carte, cette couleur. Et lorsque le chakra couronne est bien ouvert, il reçoit la lumière pour mieux la transmettre. Il permet aussi, votre accomplissement personnel dans toute sa complétude. Parfaitement en axe avec vous-même, la vie extérieure reflète votre monde intérieur. Et il est aisé, n'est-ce pas, de vous réaliser. Et lorsqu'il commence à s'ouvrir, vous êtes attiré par les enseignements mystiques. Vous éprouvez aussi un sentiment d'émerveillement devant l'immensité de la création. Et lorsqu'il y a un blocage avec ce chakra, lorsqu'il y a un blocage d'énergie situé à ce niveau, niveau de la frontanelle, cela empêche l'accès à l'unité et provoque un sentiment d'isolement, de non-réalisation et de déconnexion. Car vous êtes séparé de vous-même et du monde environnant. Toute forme d'enseignement mystique est balayée en bloc, puisque rien d'autre ne compte que la réalisation au travers de vos cinq sens. L'indécision vous domine et vous n'avez hélas pas la moindre étincelle de joie en vous. Vous êtes fermé, vous êtes morose. Vous êtes triste, mais il y a une solution, n'est-ce pas? Pour accéder à votre parfaite complétude, tout un chemin de développement personnel est nécessaire pour prendre conscience qu'il existe d'autres dimensions au-delà, de vos cinq sens et que vous avez le pouvoir de créer la réalité qui vous correspond le mieux. Ça, c'est la solution. Vous allez mettre en lumière cette partie sombre qui est en vous. C'est le travail, de s'autoriser à être soi, n'est-ce pas? Magnifique l'oracle. Place-toi au centre de ta vie pour tout, mais oui, vous êtes seul maître à bord, Vous êtes le capitaine de votre vaisseau. Pour tout mettre au centre de ta vie, tu dois prendre conscience que tu es seul
aux commandes du vaisseau de ton existence. Et oui, vous seul, personne d'autre que toi ne peut décider de ton bonheur. Donc oublie les miracles, le loto, le prince ou la princesse tombée du ciel. Quoique les miracles existent, hein, vraiment, et sois l'unique personne décisionnaire de ta vie. Mais là, on ne parle pas de miracle, on parle vraiment d'un travail sur soi, n'est-ce pas? Alors comment? Comment? Ben oui, vous allez me dire, comment? Ben déjà, en te débarrassant de l'ignorance et de la superstition. Ben oui, ben voyons. Ensuite, en étant positif, combien de fois, hein, dans que je vous dis d'être positif, de ne pas être dans le négatif. Et en étant positif, en réagissant dès qu'il y a tension mentale ou émotionnelle en toi, eh bien pour retrouver le bien-être pour lequel tu es né. Pardon. Quand on est positif, on attire le positif, n'est-ce pas? Et on reçoit les dons du ciel. Mais oui, dès que tu te sens victime de la vie, eh bien, ressaisis-toi, parce que tu n'as pas d'autre choix. Il faut te ressaisir. Il n'existe pas de fatalité que tu ne puisses déjouer. Et si tu parviens à retenir l'enseignement déguisé, cela va vraiment t'aider. Interroge-toi. Interroge-toi. Pourquoi? Pourquoi te retrouves-tu dans cette situation? Quel est l'élément déclencheur qui a fait que? Pourquoi? Questionne-toi là-dessus. Qu'est-ce qui a fait que? Pourquoi comprendre quoi et sortir de quel schéma? Toi seul le sais, c'est ta vie. Et en te posant toutes ces questions, tu seras l'auteur, compositeur, interprète de ton existence. Pourquoi suis-je dans une telle thématique? Pourquoi suis-je dans une telle situation? À cause de quoi? Mais non, c'est pas à cause des autres. Mais non. Non, 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 non. C'est toi qui as pris la décision. Encore une fois, on ne t'a pas obligé de prendre cette décision. Donc, voilà, c'est vraiment un travail sur soi qu'on doit faire. Et s'autoriser à avoir ses parts d'ombre pour les mettre en lumière. S'autoriser à accepter, ça c'est la première chose à faire. Hein. Accepter. On s'autorise et on accepte. À partir du moment où tu t'autorises et que tu acceptes, accepter c'est autoriser de. Lorsque tu comprends tout ça, eh bien, il y a un grand, grand travail que tu peux faire sur toi. Vraiment. J'en suis persuadée, puisque bon, avec tout ce travail que je fais, que j'ai fait et que je fais sur moi, je peux vous dire que c'est la réalité. S'autoriser à être soi, ben oui, c'est mettre cette partie qu'on ne veut pas voir, mais à partir du moment où tu acceptes, tout le travail va s'effectuer.
Waouh, quel beau message pour terminer cette semaine. Je termine avec ne plus avoir peur. Je me concentre sur ma respiration à chaque fois que la peur survient. C'est une excellente façon de revenir à l'instant présent, pardon, et de te détacher de l'émotion perturbante. Je vous souhaite vraiment une excellente journée, un très très joli week-end. Faites ce travail sur vous, ça en vaut la peine. Et voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous. On se retrouve dans une prochaine capsule et je vous dis à tout bientôt, à très vite.